Je t'écoute, tu m'écoutes. Il y a l'homme, il y a l'humoriste. Mettons que ça arrivait. Est-ce que tu déménages? De si... Le Québec se sépare, est-ce que tu déménages? Ça dépend de quelle sorte de souveraineté. Parce que moi, la discussion de souveraineté, je la respecte. Mais quand elle est inclusive, tu sais ce que je veux dire? Quand ça veut dire que tout le monde est égal, ça veut dire que les minorités visibles, les minorités religieuses, ça veut dire que les anglophones, que tout le monde, que c'est un Québec qui est ensemble. À quel moment est-ce que ce n'est plus inclusif? Quand quelqu'un dit « Aujourd'hui, on a perdu à cause du vote ethnique », quand quelqu'un dit « on a besoin d'une charte pour séparer les sortes de gens », puis que ça crée une hiérarchie puis une division dans la province. Pour moi, quelqu'un comme le Québec solidaire, je les respecte beaucoup dans leur discussion souverainiste. Mais ils peuvent pas gagner. C'est facile. Tu sais, peut-être un jour, tu sais. Gabriel, merci de me voir deux hommes en or. Ben, ça fait plaisir! Hey, je pense que les gens t'aiment. Ben, c'est incroyable. À vous, hein? Je l'avoue en tabarnouche. Écoute, tu viens de faire Gabriel et je me demande quel autre rôle t'aimerais faire? J'aimerais ça jouer une vampire. Moi, j'aimerais ça jouer le vampire parce qu'il y a un côté genre sexy, sensuel, mystérieux ou ben cruel. Je t'écoute, tu m'écoutes.